Yo, quitte toi le faire là men. Ou te cal battre dans douche là ou bien n'importe l'autre côté men. Pour que ça c'est devant porte là men. Même ça dit là. Quand son hier là me battre lui men. Soit pas dit faut monter toi etc. Pas même sous ça même non men. Toi etc, c'est vrai mais qu'on y a essayé lui même qui t'a le battre sous devant porte là. Ça me balle régler moi frère. La caille moi mis là. Et puis vous parlez comme si ça fait à tout à fait normal men. Bagage ça va d'abriver non. Et tellement foqué men. Tellement foqué. L'examen foqué. M'bat zoom d'abord organiser un petit mini créer là. Tu vas ou même qui t'a fait macaque. Faut qu'à d'accord ça tout oui men. Nous pas même monde. Nous pas même monde de hell. Qui ça me faut pas faire? Hein? Qui ça me faut pas faire? Avoir même occasion LP dans chambre non pour être sous carbone ou tirer pied. Ou même qui ça saute faire là. Ça c'est ton cas imprévu men. Et puis m'bat kagou ma grand vie en tout. Et bien c'est ça qui différencie mon oui men. Pas un monde qui pas fait non. Mon n'a doit pour que j'aime trouver dans même situation avec tel monde qui te fait tel zac et puis il pas fait tout le même. Un monde qui doit plus faire que l'autre. En tout cas ou même ouais pareil. Ou mettre j'aime janvier. Et merci de vie. Au petit jour, m'a brûlé de toi mesdames pour venir ton cœur. Ok, et une cellule vivante, mademoiselle, il constitue de trois parties principales. Qui est-ce qui est capable de là-dedans? Je t'écoute avec ça. Premièrement, il y a le noyau. Deuxièmement, le cytoplasme. Très bien, Alexa. Et pour finir, il y a la membrane plasmique. Maintenant, il y a deux grands types de cellules. Qui est-ce mon Kabam Yun Lada. Oui, Nadia. Un instant, Nadia. Une seconde, monsieur Carter. Merci pour votre attention. Je vous présente mademoiselle Shamael Bitter qui nous rejoint cette année. Soyez sage avec elle. Je compte sur votre hospitalité. Attention, mademoiselle Bitter. Elle vient de Paris. Merci, monsieur Carter. Bonne journée à vous tous. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue, mademoiselle Chamel. Merci, monsieur. Merci à vous toutes. Je suis très ravie de vous rejoindre. Le plaisir est partagé. Nous étions où déjà? Différents types de cellules. Et c'était à moi de vous en donner une. Ok, merci. Je t'écoute. Cellules eucaryotes. Très bien. Merci, Nadia. Kala, vous avez dit là? Oui. Cellule procaryote. Félicitations, c'est exactement ça. Cellule eucaryote, c'est un cellule qui a un noyau qui est délimité par une membrane nucléaire. Et cellule procaryote, c'est Néla. Cellule sans noyau. Très bien, cellule sans noyau. C'est déjà bien. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. On se voit dans le prochain. Même visage de menti, ça va dire. Si Alex a aucun dîme, tout pareil. Mon gars, tu vois de la peine. Mon gars, tu vois de la taille. Oui, non. Ménageons? Ouais. Ça passe, nous quitter? Parce que nous t'es ensemble, propre, et puis un seul coup, c'est fait bagarre qui n'a pas. C'est comme si c'est ça qui est important pour lui. Pour ça, où est-ce que tu es ensemble avec elle? T'as dis-moi. Ou t'es contre faire ensemble avec elle déjà? Ou viendrait-on pas faire?
ou bien ou pas de chambre de confèle. Moi, vierge avec ça. Donc, ou pas de chambre de confèle ensemble avec elle. Combien de temps nous avons un an et demi ensemble. Est-ce que vous trouvez que ça a son problème si nous que j'aime faire ensemble? Non, du tout pas. Mais pourquoi ça pas de chambre de confèle ensemble avec elle? Dis-moi bien assez pour. Parce que je ne suis pas trop sûre de lui. Je me demande ça qui est plus intéressé. Mademoiselle, vous ne pouvez pas rester là. C'est interdit. Sortez, s'il vous plaît. Une seconde, monsieur Julien. Nadine, on n'est plus au 6e siècle. Si vous parlez, si vous pas sûr de lui, pas de rien qui est obligé de faire. Ok? D'accord. Réfléchis bien avant de faire quoi que ce soit. Sinon, je dis à bien un petit moment d'étendre à l'heure d'année. À bien seulement, nous quatre pour bien rester. Si vous voulez, nous quatre venir ensemble avec nous. T'en allez. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. C'est dommage. Disons que tu es un peu plus de temps. Ah bon? Illégal parce que le règlement de l'école est interdit. Qui ça le règlement est interdit? Puis un directeur pas parler à quel élève, c'est ça? C'est pas le règlement avec ça. C'est le règlement de l'école là. Et pour nous malhonnêtes, nous soi-disant parler ça n'a fait rien. Moi-même tout d'ailleurs. Pas honnête. Donc, depuis le début, tu es compris. Mais malheureusement, ou esclavé au règlement, c'est ça? Comment c'est que tu t'en vas avec ça? Je m'appelle Chapmanel Butcher. Je sais. Moi, c'est Carla Jossim. Alors, enchantée Carla. Enchantée. D'accord. Aujourd'hui, chez moi, après l'école, je réviserai un peu de la chimie. Tu veux venir avec moi? J'aimerais bien. Quel chapitre tu réviseras? Sur le carbone. T'es pas temps? Bien sûr que oui. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce chapitre. C'est cool. Après l'école? Bonjour classe et bon après-midi. Je veux voir que des cahiers de sciences sociales sur vos chaises, s'il vous plaît.
Aujourd'hui, on va voir, on va étudier et on va parler de la chute de Napoléon Bonaparte. Vous avez de mauvaises mines aujourd'hui. Quelque chose ne va pas? Tout va bien, Julie. Ne vous inquiétez pas. C'est comme vous voulez. Sinon, vous pouvez tout me dire. Ah bon? Vous croyez ça? Et vous feriez quoi? Ben, je peux vous aider à trouver une solution. La salaire que cette école me donne ne répond plus à mes dépenses mensuelles. Les produits sur le marché ont augmenté de prix. Et cette minable salaire reste la même. Vous pouvez m'aider? Je ne sais pas, moi. Pour moi non plus, elle ne répond pas. Ben, tu vois? Voilà, bien glacé. Moi qui ai plus que ça. Allez, approche que je vais t'enchever ma soif. Allez, qui doit me servir? Pour toi, ma belle. Une pour cette charmante jeune fille. Une pour toi aussi, ma belle. Ça, c'est à toi, frérot. Oh, cool. J'ai l'air, mais. Allez, faites-moi un peu de la place, ta fille. Hé, hey, attention. Elles fréquentent des bonnes écoles. Elles ont du bon français dans leur gueule.
C'est lui ton frère qui est puceau. Quoi? Puceau? Mais qui t'a dit que je suis puceau? Je sais pas moi. C'est ton frère qui me l'a dit. Quoi? Qu'est-ce que tu leur as dit sur moi? Rien grave, mais c'est juste entre nous. Ça a toujours été un secret. C'est pas comme si tout le monde le connaît. Alors, c'est vrai? À son âge, il est puceau. Sans déconner. J'arrive pas à y croire. Moi, je ne trouve qu'il n'a rien de mal à ça. Il attend la personne idéale. Oui, ça peut être vrai. Oh oh.